Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup aux organisateurs pour l'opportunité donnée de participer à cette manifestation et en particulier à Sandy Lacroix de Souza. Donc cette journée d'échange et de réflexion très enrichissante sur ce sujet des algorithmes. Et donc pour ma part, je vais vous apporter un éclairage du point de vue de la protection des données personnelles. Pour introduire un peu le sujet, je voudrais d'abord préciser ce dont on parle, parce que je crois qu'il est important de comprendre quel est le lien entre algorithmes dans le domaine bancaire et financier et la protection des données personnelles pour pouvoir précisément appréhender les enjeux et surtout si on n'est peut-être pas familier nécessairement avec le sujet de la protection des données, même si c'est un sujet qui en pratique aussi appelle à des mécanismes de compliance, comme on en a parlé, de conformité, de gouvernance des données et d'approche par les risques également. Alors, je vais poursuivre. Comme on a pu le voir, tout au long de la journée, les organismes du secteur bancaire et financier vont faire appel à des traitements algorithmiques avec des outils d'intelligence artificielle, des techniques de machine learning en tant que, alors je ne vais pas répéter, mais d'outils d'aide à la décision, d'appréciation des risques, détection de la fraude et aussi, dans certains cas, on l'a vu, à des fins commerciales, pour des traitements un peu plus marketing. Et ces opérations vont impliquer, entre autres, le traitement d'informations qu'on va qualifier de données personnelles, c'est-à-dire des informations relatives à des personnes physiques et qui permettent directement ou indirectement de les identifier. Donc des informations directement identifiantes, ça va être assez évident pour vous, c'est l'identité de la personne, ses coordonnées, son état civil, et des informations indirectement identifiantes, comme par exemple son statut professionnel, son comportement, ses transactions, les achats effectués. Donc toute une série et tout un ensemble de données qui vont intervenir dans ces traitements algorithmiques et vont entraîner l'application d'un corps de règles fixé par le règlement général sur la protection des données, donc un règlement adopté en 2016 au niveau européen et entré en application en 2018 pour harmoniser le cadre de règles dans l'Union européenne applicable à la protection des données. Et donc c'est toute cette série de règles qui va venir ici s'appliquer à ces traitements algorithmiques dans le domaine bancaire et financier. Et donc la question pour nous ici, c'est de voir comment en fait on va pouvoir concilier le RGPD avec ces pratiques du secteur bancaire et financier, donc des pratiques qui sont tout à fait légitimes, nécessaires et qui répondent aussi à des contraintes réglementaires de ce secteur. Et donc on va voir comment en fait on va pouvoir traiter ces tensions, ces quelques frictions dans certains cas pour pouvoir assurer la conformité donc à ces règles spécifiques en matière de protection des données personnelles. Et je crois qu'il faut aussi avoir à l'esprit de manière assez pratique que le non-respect des règles en matière de protection des données personnelles qui sont fixées par le RGPD peuvent donner lieu à des sanctions. À des sanctions assez importantes qui peuvent donc être imposées par le régulateur de la protection des données qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Et ces sanctions avec le RGPD ont considérablement évolué par rapport au cadre précédent qu'on avait en France puisqu'aujourd'hui ça peut aller jusqu'à 2 ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise selon le manquement et la violation en cause. Et donc il est tout à fait important pour les organismes concernés de comprendre aussi quels sont les enjeux de ce point de vue-là. Alors, une première série d'enjeux qu'on peut identifier résulte de la confrontation des caractéristiques des systèmes d'intelligence artificielle ou des traitements algorithmiques plus généralement aux principes généraux de protection des données qui sont en fait un peu les règles d'or de la protection des données qu'on va devoir respecter à chaque fois qu'on met en œuvre un traitement de données personnelles.
Tout d'abord, on a le principe de finalité. C'est un principe cardinal de la protection des données, puisqu'il prévoit que les données personnelles doivent être traitées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et que les données ne doivent pas être réutilisées de manière incompatible avec la finalité première pour laquelle elles ont été collectées. L'objectif de ce principe, c'est de protéger les personnes contre des collectes généralisées et disproportionnées de leurs données, et donc d'éviter des atteintes à leur vie privée. Et le respect de ce principe peut poser des difficultés au regard de l'indétermination parfois des usages des données auxquels on peut être confronté dans le cadre de l'intelligence artificielle, puisqu'on va collecter les données et puis on va se dire bah, en fait on va les traiter et on verra bien quels seront les usages. Et justement, on a parlé des algorithmes apprenants avec les techniques de machine learning dont l'objectif est aussi de faire découvrir de nouveaux usages. Donc là, on voit une friction avec ce principe de finalité. Et le problème va aussi se poser au regard de la réutilisation des données qu'on va collecter dans un certain contexte et que dans le cas de l'intelligence artificielle, on va réutiliser dans un autre contexte. Or, je le mentionnais, on a ce principe dans le cadre du principe de finalité qui dit qu'il ne faut pas réutiliser les données pour une finalité qui serait incompatible avec la finalité initiale. Alors, cependant, il ne faut pas penser que le RGPD empêche toute réutilisation, puisque si, en fait, on est en mesure de démontrer qu'il y a une compatibilité des finalités, en très résumé, malheureusement, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais que, en fait, il y a un prolongement entre la finalité initiale et la finalité secondaire, et que ce traitement ne porte pas une atteinte excessive aux droits des personnes, eh bien, on pourra quand même mettre en œuvre le traitement. Donc, pour prendre un exemple concret, par exemple, les données qu'on va collecter dans le cadre d'une demande de crédit, ou plus globalement l'historique des relations entre un client et sa banque, eh bien, ça peut tout à fait être réutilisé pour justement générer le score d'octroi de crédit. Ensuite, le deuxième principe qui va susciter des interrogations, c'est celui de la minimisation et aussi le principe d'exactitude des données. Parce que le recours à l'intelligence artificielle va nécessiter de recourir à des ensembles massifs de données avec des sources très variées et aussi une variété de données également, et donc qui vont poser plus généralement la question de la qualité de ces données. Est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires? Est-ce qu'elles sont fiables, qualifiées pour l'usage qu'on veut en faire? Et donc là, avec le risque dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, des biais. Et donc c'est là où on s'interroge comment concilier cette caractéristique de l'IA avec le principe de minimisation qui exige qu'on ne traite que des données pertinentes, adéquates, non excessive, et qu'on tienne ces données exactes et à jour. Un autre principe important, là encore on en a déjà parlé, c'est celui de la transparence vis-à-vis des personnes. Et là-dessus, on a des exigences assez claires dans le RGPD, c'est que lorsqu'il y a un traitement de données personnelles qui est mis en œuvre, eh bien, il faut que les personnes en soient informées. Et il faut qu'elles soient informées sur une série d'éléments assez précis, qui sont fixés par le RGPD, qui traite les données, pour quels usages, pendant combien de temps, où vont ces données, à qui elles sont communiquées, et aussi quels droits les personnes détiennent vis-à-vis de ces données. Or là encore, la complexité du fonctionnement des algorithmes apprenants et l'effet boîte noire qu'on leur prête peut être un obstacle à délivrer ces informations, en tout cas dans une certaine mesure de précision. Et puis on se pose aussi la question de comment finalement rendre accessibles ces complexités algorithmiques aux personnes. Ce qu'on peut quand même essayer de voir comme solution, c'est que ce qui est attendu malgré tout en premier lieu du point de vue de la protection des données, c'est pas tellement d'expliquer à la personne quel est le fonctionnement de l'algorithme d'un point de vue technique, puisque ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être parlant pour la personne, mais c'est plutôt de lui dire quelles sont les données, quels critères, quelle est l'importance, surtout, on en l'a déjà évoqué, mais j'y reviendrai aussi, surtout si on est face à une prise de décision entièrement automatisée, puisque là on a des obligations d'information encore spécifiques qui vont s'ajouter sur la logique. Donc c'est plutôt d'expliquer quel est le raisonnement global et quelles sont les données qui étaient en cause dans le traitement.
Et enfin, c'est les principes de conservation limitée des données, de sécurité et de confidentialité qui doivent être respectés et qui peuvent aussi soulever des questions, puisque face à des ensembles massifs de données, et comme dans tout système informatique, eh bien, il y a des risques de sécurité. Donc comment faire pour sécuriser ces données, éviter des atteintes à la confidentialité qui peuvent être préjudiciables pour les personnes, et puis comment conserver les données de manière proportionnée, parce que le principe de limitation de la durée de conservation implique, selon le RGPD, que les données ne peuvent pas être conservées indéfiniment. Donc c'est important aussi de réfléchir à des durées de conservation pour, là encore, fixer des limites. Une deuxième série d'enjeux qu'on voit quand on parle d'algorithmes en matière bancaire et financière et en protection des données, c'est les enjeux au regard de l'encadrement du profilage et de la prise de décision entièrement automatisée. Et c'est ici qu'on voit que le RGPD est venu réguler, puisqu'on a aussi parlé aujourd'hui, notamment ce matin, de la nécessité ou non de réguler les algorithmes. Eh bien, dans le RGPD, on a déjà une forme de régulation de ces algorithmes, puisque on s'adresse directement justement au profilage, et je vais préciser cette notion, et comme on l'a vu aussi dans une intervention précédente, la prise de décision entièrement automatisée, donc vraiment une prise de décision algorithmique. Alors, tout d'abord, le profilage, qu'est-ce que c'est ? Ce qui est intéressant, c'est que le RGPD fournit une définition légale de cette notion, au moins dans le cadre du règlement général sur la protection des données. Et on nous dit que le profilage, eh bien, c'est un traitement de données pour évaluer certains aspects relatifs à la personne physique, notamment pour analyser ou prédire un certain nombre d'éléments. Et pour le sujet qui nous intéresse, la situation économique, la fiabilité, le comportement de cette personne. Donc on est en plein dans la régulation des algorithmes, notamment en matière bancaire et financière. Si on parle du score d'octroi de crédit, si on parle de l'appréciation du niveau de risque présenté par une personne dans le domaine financier, puisque, en d'autres mots, le profilage correspond à l'établissement d'un profil relatif à une personne, et le plus souvent, ça va être rendu possible aujourd'hui par un traitement algorithmique, avec l'idée de tirer des conclusions, émettre éventuellement un jugement vis-à-vis de cette personne. C'est vrai que le profilage, d'ailleurs, ce n'est pas spécifique, hein, pas du tout au domaine bancaire et financier. C'est aussi un traitement qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans les activités en ligne, notamment par exemple pour le profilage pour la publicité ciblée, et on pourrait aussi en parler assez longuement. Mais pour le sujet qui nous occupe, on a effectivement des exemples, on en a déjà parlé, le score d'octroi de crédit, segmenter le niveau de risque, ou des transactions effectuées. Et ces traitements de profilage sont considérés par la CNIL, mais également les autres autorités de protection des données au niveau européen, comme des traitements à risque, compte tenu de l'opacité qui les entoure, puisqu'on l'a déjà évoqué, souvent les personnes ne sont pas conscientes qu'il y a un traitement de profilage qui les concerne, et aussi compte tenu des impacts potentiellement défavorables pour les personnes avec, comme on l'a vu, refus d'une prestation, rupture d'un contrat, décision discriminatoire. Donc les autorités vont avoir vraiment une vigilance accrue vis-à-vis de ces traitements et considérer qu'il y a une obligation renforcée d'appliquer finalement toutes les exigences qui sont déjà prévues par le RGPD face à ces traitements, parce qu'ils ont potentiellement des impacts préjudiciables sur les personnes. Et parmi les obligations sur lesquelles les autorités vont beaucoup insister, c'est surtout l'obligation de transparence, comme on l'a déjà évoqué, et voilà, qui dans certains cas peut soulever des difficultés. Alors, cette notion de profilage, on la retrouve surtout dans une disposition qui a déjà été évoquée, et je ne vais pas revenir et répéter ce qui a déjà été dit, mais je voudrais juste insister quand même sur quelques points, puisque donc, cette notion de profilage, on la retrouve dans cette disposition qui est l'article 22 du RGPD, et dont il résulte en fait une interdiction de prendre une décision à l'égard de la personne qui est entièrement automatisée. Et donc ce traitement entièrement automatisé, ça peut notamment être du profilage, et le règlement dit qu'il produit à l'égard de la personne des effets juridiques ou affecte la personne de manière significative similaire.
Alors, quand on parle d'effet juridique, on comprend relativement clairement ce que ça peut être. Donc, ça va être la rupture, par exemple, d'un contrat ou la suspension d'une prestation dont bénéficiait la personne, puisque c'était un droit qu'elle avait juridiquement et donc c'est un auquel on va mettre fin. Les effets qui affectent de manière significative similaire, c'est interprété par les autorités. Alors, on est un peu plus dans une zone grise, c'est vrai, mais on va dire que c'est des effets similaires à ceux des effets juridiques. Alors, vous allez me dire, c'est un peu tautologique, mais ce qu'on entend par là, c'est vrai que c'est des effets défavorables et préjudiciables, similaires à ceux des effets juridiques. Donc, concrètement, ça va être le refus de bénéficier d'une prestation qui ne fait pas encore l'objet d'un contrat. Donc, typiquement, le refus d'une demande de crédit, ça va être cet effet significatif, similaire à un effet juridique. Donc on l'a vu, il y a des exceptions, là encore je ne vais pas revenir là-dessus, et on peut s'interroger sur laquelle de ces exceptions peut éventuellement marcher en matière bancaire et financière quand on est encore une fois face à une décision entièrement automatisée. Donc on ne parle pas de toutes les décisions automatisées ici qui sont interdites, mais uniquement celles qui sont vraiment, c'est un algorithme qui prend la décision de rejeter la demande de crédit. C'est à titre d'exemple que je relève ce point. Moi, il me semble que le consentement ici ne pourrait pas marcher, parce qu'on peut vraiment s'interroger sur la liberté du consentement, qui est quand même une des caractéristiques essentielles pour pouvoir en bénéficier. Donc on peut peut-être plutôt se diriger sur la nécessité contractuelle ou éventuellement sur l'autorisation légale, donc quand c'est prévu par le droit de l'État membre ou le droit de l'Union européenne, surtout quand on est peut-être sur des traitements comme la lutte anti-blanchiment ou le financement du terrorisme. Et puis, comme on l'a vu aussi, une fois que la décision est considérée comme licite, il va malgré tout falloir respecter un certain nombre d'obligations vis-à-vis de la personne, et comme on l'a vu, obligations de transparence sur l'existence de la décision, la logique sous-jacente, et puis surtout la possibilité pour la personne de bénéficier d'une intervention humaine. Toute la logique de ce dispositif, c'est de faire en sorte que la personne ne soit pas prisonnière de la décision d'une machine, et qu'elle ne se retrouve pas face à une décision discriminatoire sur notamment des sujets qui peuvent être essentiels comme l'accès à des ressources financières et qui peuvent avoir un impact par exemple sur sa situation économique. Je voudrais, comme je le disais, je ne vais pas répéter ce qui a été dit précédemment, donc je ne m'arrête pas plus longtemps sur cet article 22, mais je voudrais en complément peut-être apporter un éclairage sur une distinction qu'on peut faire entre, d'une part, la décision entièrement automatisée, donc comme on vient de la définir, et la décision qui est fondée sur un profilage qui, lui, est entièrement automatisé, mais la décision ensuite est prise par un humain. Parce que c'est vrai que quand on fait ces distinctions, on se rend compte que le RGPD ne prévoit pas exactement les mêmes obligations pour les acteurs. Il ne fait pas bénéficier aussi les personnes des mêmes droits selon que l'on est dans une ou l'autre situation. Et c'est là où on peut peut-être s'interroger un peu plus, que quand on est face à un traitement où il y a un profil qui est établi de manière automatique et qui va permettre à l'organisme qui prend sa décision de se baser sur ce profil automatique, eh bien c'est vrai que là, il n'y a pas d'obligation d'information sur comment ce profil a été établi, comment la personne peut bénéficier d'un réexamen, en tout cas pas explicitement dans le règlement, on n'a pas de droit spécifique attaché, comme on l'a quand la décision est entièrement automatisée. Or, avec le développement et la multiplication finalement au recours à ces traitements algorithmiques, on peut s'interroger sur la nécessité finalement d'avoir pour les personnes aussi cette voie de recours pour pouvoir pleinement exercer les droits qui leur sont reconnus, notamment le droit de s'opposer, comme on a dit précédemment, à ce type de traitement, d'accéder aux données, de faire rectifier aussi peut-être les éléments qui ont été pris en compte dans le cadre de la prise de décision, même si elle n'est pas entièrement automatisée. Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'en pratique, les autorités de protection des données, même si ce n'est pas
explicitement prévus dans le RGPD vont généralement exiger des acteurs qu'elles appliquent les mêmes règles finalement, qu'on soit ou non dans la prise de décision entièrement automatisée ou pas, et vont exiger, compte tenu du fait, comme je le disais, que le profilage est considéré comme un traitement à risque, que finalement la personne puisse bénéficier de la même transparence, des mêmes droits et du même niveau finalement d'explicabilité. Alors, après avoir dressé un panorama synthétique, compte tenu du temps imparti des enjeux soulevés, quelles sont les solutions pour appréhender ces enjeux ? Alors, on a déjà des solutions dans le RGPD lui-même via deux principes assez intéressants qui sont les principes de protection des données dès la conception et principe de protection des données par défaut. C'est des principes intéressants parce qu'ils vont permettre, alors je dis permettre, mais en réalité c'est des exigences aussi du RGPD, de prendre en compte dès le stade de la conception d'un traitement les obligations évoquées précédemment, en particulier en termes de minimisation des données, de limitation de la durée de conservation, de travailler justement sur la qualité des données. Donc il y a vraiment une exigence qui est fixée dans ce règlement de réfléchir à des choix qui respectent dès la conception et aussi par défaut les droits des personnes et les impacts que le traitement peut avoir sur les droits des personnes et en particulier donc le respect de leur droit à la protection des données et de leurs données personnelles. Et justement, c'est ce qui devrait permettre d'éviter les biais, d'éviter les erreurs et des décisions algorithmiques discriminatoires. Et on voit que sur cette notion de biais, on a aussi des éclairages un peu plus précis hein, qui sont apportés dans les considérants du RGPD qui indiquent d'utiliser des procédures mathématiques ou statistiques adéquates aux fins du profilage et de mettre en œuvre aussi des mesures techniques ou organisationnelles pour faire en sorte que les facteurs qui entraînent des erreurs dans les données soient corrigés et que le risque d'erreur soit réduit au minimum. Un autre outil qu'on a dans le RGPD, c'est l'outil de l'analyse d'impact sur la protection des données, AIPD. C'est un outil intéressant aussi, là encore, pour essayer de rechercher des solutions aux problématiques qu'on a pu identifier sur les traitements algorithmiques, parce que cette AIPD, c'est un exercice qui va nécessiter en fait, de mettre à plat un traitement de données qu'on envisage de mettre en place. Donc mettre à plat, c'est-à-dire de définir, bon, on envisage de mettre en place un traitement pour tel objectif, avec telle donnée, pour tels usages, avec telle conservation, etc. D'identifier les risques qui sont soulevés par ce traitement et aussi de voir quelles sont les mesures pour pouvoir traiter les risques. Donc c'est là aussi où je trouve qu'on a finalement un outil qui est en réalité une exigence, là encore, réglementaire, puisque dans certains cas, le RGPD exige la réalisation d'AIPD, et notamment quand on est face à des traitements de profilage, mais on peut aussi le concevoir comme un outil pour rechercher des solutions et identifier justement les mesures qui vont permettre de mettre en œuvre des traitements respectueux des droits des personnes et de la protection des données. Et on a aussi des solutions et un certain nombre de recommandations qu'on peut trouver dans le droit souple. Alors, par ordre chronologique, on a eu dans un premier temps des lignes directrices qui ont été adoptées par le Comité européen de la protection des données, qui réunit en fait toutes les CNIL européennes. C'est des lignes directrices qui ont été adoptées en février 2019 et qui formulent un certain nombre de recommandations sur la prise de décision automatisée et le profilage. On a aussi des lignes directrices assez intéressantes du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle et la protection des données, vraiment donc spécifiquement sur ce sujet. Et puis, tout récemment, hier soir, presque, donc on est totalement dans l'actualité du sujet, la CNIL a publié une série de documents, fiches pratiques, tout un ensemble de ressources. Et c'est assez intéressant parce que c'est des ressources qui s'adressent
tout autant au grand public pour comprendre quels sont justement les enjeux en tant que citoyen de l'intelligence artificielle et des protections des données et aussi des ressources pour les professionnels pour eh bien, essayer d'accompagner sur les mesures pour pouvoir mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle respectueux de la protection des données. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de les éplucher, mais en les balayant rapidement, on retrouve des mesures assez intéressantes qui invitent à l'audit des algorithmes, à la vérification justement et à la mesure de la qualité des données, à la recherche de solutions pour éviter les risques liés aux modèles d'IA discriminatoires et comment aussi assurer l'information et l'explicabilité face à ces algorithmes. Et puis il y a un outil pratique aussi qui accompagne toutes ces recommandations, il y a un guide d'auto-évaluation et d'analyse pour justement les acteurs pour voir, évaluer leur maturité et leur conformité au système, pour les systèmes d'IA au regard du RGPD. Pour terminer, je voudrais dire rapidement quelques mots du projet de règlement sur l'intelligence artificielle et la protection des données et quelles perspectives il offre en matière de protection des données, en particulier face aux IA identifiées à haut risque, comme on en a parlé ce matin, et on a vu qu'il y a des intelligences à haut risque en matière bancaire et financière. Ce qui ressort en premier lieu, quand on regarde ce projet de règlement sous le prisme de la protection des données, c'est une convergence des approches, une convergence de la philosophie entre les exigences de ce projet de règlement IA et celui du RGPD, puisque, comme on l'a vu, il est question dans ce projet de règlement de l'évaluation et de la gestion des risques, des choix de conception, de la qualité des données, de l'intervention de l'humain, de la transparence, de l'exactitude et de la sécurité des données. Donc, c'est toute une série d'éléments qui font écho aux exigences que j'ai aussi pu mentionner au titre du RGPD avec, par exemple, pour l'évaluation des risques, l'analyse d'impact sur la protection des données, les choix de conception, le principe de protection des données dès la conception, et puis tous les principes de minimisation, de sécurité, et aussi le rôle de l'humain. Et je crois que ces exigences en écho devraient favoriser pour les acteurs la prise en compte aussi des préoccupations et des obligations en matière de protection des données lorsqu'elles sont amenées à mettre en œuvre et à développer des systèmes d'intelligence artificielle. Et ce que je trouve aussi intéressant de relever avec ce projet de règlement sur l'IA, c'est qu'on place en fait des obligations sur les fournisseurs et non seulement sur les utilisateurs des systèmes d'IA, ce qui va permettre en fait d'avoir une prise sur ces outils justement au stade de la conception. Et ce qui devrait éviter aux utilisateurs de ces systèmes, utilisateurs bien sûr organismes, sociétés, parce que souvent du point de vue de la protection des données, le problème c'est qu'on fait face à des outils qui ont déjà été préformatés, conçus et qui posent certains obstacles et certains freins à la prise en compte justement de toutes les exigences réglementaires et de conformité en matière de protection des données. Et donc là, cette convergence de philosophie devrait déplacer un peu le curseur aussi sur les fournisseurs et donc en pratique faciliter l'approche de conformité pour les utilisateurs de ces systèmes d'IA. Malgré ces aspects positifs, il y a quand même une série d'interrogations du point de vue, en tout cas, de la protection des données. Et ces interrogations ont notamment été formulées par le CEPD, le Comité européen de la protection des données, que je mentionnais il y a un instant, qui a rendu un avis sur ce projet de règlement en juin 2021. Une première interrogation qu'on peut formuler, c'est quelle articulation concrète avec le RGPD, malgré la philosophie convergente ? Comment finalement les obligations vont concrètement s'articuler, surtout que dans ce règlement IA, on nous parle de fournisseurs, alors que les concepts dont on parle dans le RGPD, c'est ceux du responsable de traitement et sous-traitant, qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc précisément, comment délimiter qui fait quoi, comment, pour aussi assurer la cohérence des cadres et des obligations. Une deuxième série d'interrogations, c'est quelles obligations vis-à-vis des personnes concernées,
des personnes dont les données vont être traitées par les systèmes d'intelligence artificielle. Or là, on voit que le projet de règlement IA est muet. Il ne prévoit rien à part les systèmes spécifiques pour lesquels la personne serait en interaction directe avec le système d'intelligence artificielle. Et le CEPD parle même d'angle mort de ce projet de règlement vis-à-vis donc des obligations vis-à-vis des personnes concernées. Or, ce serait peut-être là justement l'opportunité de s'interroger sur des clarifications qu'il faudrait peut-être précisément apporter sur des éléments tels que l'information et les droits des personnes concernant ces systèmes d'IA. Et puis, une troisième interrogation qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'on a suffisamment identifié tous les systèmes de IA à haut risque, y compris en matière bancaire et financière, mais aussi pour d'autres secteurs. Donc, la question mérite d'être examinée plus avant. Et peut-être que les prochaines étapes du processus législatif sur ce projet de règlement permettront d'apporter des clarifications et des certitudes, ou en tout cas des éclaircissements sur ces aspects pour aboutir à un cadre européen cohérent et solide, que ce soit pour les acteurs concernés et bien sûr aussi pour les personnes dont les données seront traitées par ces différents systèmes. Merci.